La table du dimanche de Pierre-Yves Chupin, le directeur des éditions des guides Le Bay, et une adresse coup de cœur, aujourd'hui situé dans le 11e arrondissement. Ah oui, on est entre Le Drurolin et Charonne pour une adresse en fait qui fait l'unanimité, tenue par deux anciens de chez Guy Savoy. On ne vous en dit pas plus et on retrouve sur place Pierre-Yves Chupin, le directeur général des éditions Le Bay. Bonjour, aujourd'hui nous sommes rue Trousseau. L'adresse est connue, et à l'époque c'était le Rhino, ça a été après les Déserteurs et maintenant c'est Piano 20. Piano 20 en fin de compte, c'est, on va vite le comprendre pourquoi, parce que c'est deux talents, l'un en cuisine et l'autre en salle et à la cave, qui se sont réunis et je vous promets que c'est ma table coup de cœur du moment. Il est temps d'aller voir ce qui se passe en cuisine dans ce Piano 20. On y va. Bonjour chef. C'est le menu du jour que vous préparez ? C'est le menu du jour, voilà, qui commence par un amuse-bouche. On va commencer par croissant de mer révélé avec un œuf cassé. Ouais. Une lotte de Roscoff poêlé, épinards en branche. Ah, mais ici, il n'y a pas de chambre froide. Pas du tout chambre froide. Comme ça, pas de problème. Tous les jours, je suis livré. On est livré tous les jours. Par... Il n'y a pas de stockage. C'est-à-dire que chaque jour, le menu. Tous les jours, frais, la qualité est primordiale. Voilà. Joli petit pois. C'est là, j'ai les premiers petits pois de la saison que je vois. Ils sont français ? Français, ça commence, voilà. C'est les tout premiers, voilà. Donc ils sont blanchis et on les a, on a retiré la peau. Ah oui, donc voilà. C'est un travail de titan. Voilà. Donc c'est différent en bouche. C'est comme si on mange une salade de tomates. Si on retire pas la peau, c'est pareil, c'est un peu plus dur, voilà. C'est les pousses des petits pois que je vais servir dessus, voilà. Je vais glacer les petits pois au beurre. Quand ils sont glacés, juste à la fin, je remets les petites pousses de petits pois dedans. Et après, je vais lancer ma lotte en cuisson. La lotte, je vais la poêler, je vais la démarrer à l'huile et au beurre noisette après, voilà, pour la finir. Je l'arrose. Quel beau plat. Alors, on est vraiment dans le joli plat français, à la française. Il y a trois ingrédients, pas plus, c'est pas la peine. Bon, regardez comme c'est beau. En plus, le poisson est encore ferme, assaisonnement parfait. La petite croûte beurrée dessus qui permet de fixer les arômes et de relever toutes les saveurs. Ça, pour moi, c'est le plus beau jour du printemps. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Pierre-Yves Chupin qui était accompagné pour découvrir ce très beau restaurant du 11e arrondissement par Da Magasin. On va revenir.